aujourd'hui, c'est très simple. Je vais mettre en avant l'originalité historique du Maroc. Je suis un historien avant tout, hein, et je vais donc essayer de montrer quelle est dans l'histoire l'originalité du Maroc, quelle est dans le contexte politique actuel la force du Maroc, les atouts du Maroc, et dans les questions géopolitiques du Maghreb et du monde ouest-africain. Le Maghreb fait partie du continent africain, et le Maghreb se prolonge vers le sud, à la fois le Maghreb algérien et le Maghreb marocain. L'Algérie se prolonge vers le sud par son grand ventre saharien qui descend jusqu'au Mali, jusqu'au Sahel. Et le Maroc, même chose, par tout son continuum atlantique qui le mène jusqu'à la hauteur de la Mauritanie. Donc il n'est pas possible d'étudier en mille feuilles l'histoire et la géopolitique de ces régions. C'est un bloc, c'est un ensemble. Mais il ne faut pas non plus être dans l'aspect massificateur. Il faut à la fois prendre conscience de la grande réalité et à l'intérieur de cette réalité, prendre les cas d'école et les cas particuliers.